Ok. Là, vous allez m'expliquer pourquoi. Pourquoi il y a tout le temps du monde qui cherche à trouver des phoques où je n'en ai pas. On a quelqu'un qui cherche de façon marginale, de sa façon à lui, de changer le monde. On parle de Kevin Envicol. Il veut changer le monde. Le gars, il a le cœur sur la main. Il est prêt à aider le monde, de prendre son temps. Son temps, lui, là, il peut faire autre chose, là. Mais non, lui, il veut aider le monde. Il veut qu'on soit qu'on vive dans un monde meilleur. Mais non, hein? Mais non, je vais te péter la gueule, je vais te faire battre, tu mériterais juste de crever. Chris, what the fuck? Je veux dire, le gars, il veut vous aider, vous autres justement, les gens à problème comme ça. Puis vous autres, tout ce que vous trouvez à répondre, c'est des menaces. Wake up, les caves, esti. Ce gars-là, là, il pourrait changer le monde. Si tout le monde était comme lui, là. Si tout le monde décidait, là, que crime aider son prochain, que s'aimer les uns les autres, justement, là, ça coûte rien, là. C'est juste un petit effort. C'est juste de prendre 2 minutes de son temps, puis de dire. C'est juste prendre 2 minutes de son temps, puis dire aux autres, je suis là. S'il y a quelque chose, tu peux me le dire. Mais non. C'est plus, je suis là, moi, je vais te casser la gueule, je t'attends, si check bien ça, je vais te péter la gueule. Non, gars, check. Sérieusement, là, ça n'a aucune classe. Kevin Nvekka, là, il a pris son temps vraiment des années pour vraiment faire de quoi de bien. Parce que c'est pas tout le monde qui va faire de quoi de bien, honnêtement, là. Le monde, là, il s'en calisse en général. Puis justement, c'est ça que ça donne. Ça donne les guerres, ça donne la merde, ça la terre. Puis il regarde, lui, là, il décide qu'il prend le temps d'aider une race qui est déjà en perte. Totalement. Là. Puis le monde, il répond de la merde. Sérieusement, vous me découragez moi-même. Je suis découragé de vous autres depuis vraiment longtemps, mais là, ça abuse vraiment beaucoup. Sérieusement, là, on parlait d'intimidation il n'y a pas tellement tant longtemps, là. Oh, Marjorie, tu sais, je reviens avec Marjorie. Elle s'est fait intimider, l'intimidation c'est mal, l'intimidation c'est mal. Paf, on n'entend plus parler. Paf, ça n'existe plus. Non, ça existe encore, c'est exactement ce que vous faites. Vous avez intimidé Kevin NVK au point tel qu'il a fait un suicide de vlog. C'est con à dire un suicide de vlog, mais le gars, il a décidé d'arrêter de faire des vlogs. Il a comme mis fin à sa vie de vlogueur. À cause de vous autres. Puis il n'y a personne qui va se sentir mal, tout le monde va s'en crisser, sérieusement. Moi, personnellement, là, je prendrais 2 minutes de mon temps, puis je me regarderais dans le miroir, puis je dirais, je pense que le fuck, il est là. Il est pas sur Internet, il est devant le miroir, le fuck. Sérieusement, là, ouvrez-vous les yeux, parce que ce gars-là, c'est vraiment quelqu'un de rare, c'est vraiment quelqu'un de bien. Puis vous autres, tout ce que vous trouvez un moyen de le faire, c'est de l'écraser.